Bonjour à tous, nous sommes sur un nouvel essai aujourd'hui. Devinez sur quoi je suis. Je vois du chrome partout. Je vous présente la moto d'essai du jour. Allez, c'est parti pour un essai d'une moto qui n'est pas ordinaire. Une moto qui est quand même relativement rare. Une moto qui fait 1800 cm3. Un softail hors du commun. C'est parti pour les premiers tours de roue. Go, go, go! Alors les premières impressions déjà, là, sur les premiers mètres, la position de conduite. Il va falloir un petit temps d'adaptation. On est bien calé, le bas du dos est bien calé. L'équilibre, vous voyez, là je suis à 1200 tours, 1100 tours. Je suis en première là, tout doucement pour voir un petit peu là, l'équilibre que je trouve sur la moto. Alors c'est très lourd comme moto et à l'arrêt, faut s'organiser pour la manœuvrer. L'équilibre ben, se fait tout seul. Je sens plus le poids là. J'ai les jambes devant avec les pieds complètement devant. Donc on est dans une position plutôt en mode repos, en pacha là. Elle réagit vraiment bien à ce que je lui demande. Le centre de gravité est très très bas. Ce qui est perturbant, c'est d'aller chercher les vitesses comme ça, vous avez vu. C'est une superbe super levier. Double pédale, troisième, je suis vraiment sur un ralenti à 1000 tours, écoutez, très très coupleux, deuxième, troisième, allez, on va aller faire une petite route de campagne là pour aller chercher un axe un peu plus roulant. Ah j'adore. C'est très très bas hein, comme position. Ouais, je fais pas trop haut, il y a la place. Voilà. Il s'arrête plus, d'accord. Alors la pédale de frein là, je peux pas la louper. Hein. On est plus sur vraiment un levier. Hein. La priorité à droite là. Eh bon, il y a personne. Si je freine un peu derrière là. Ah ouais. Et ça joue du mordant là, c'est bien. Ça gère bien. Magnifique finition, vous verrez en détail tout à l'heure. Les finitions sont vraiment poussées. Chez Harley, il y a toujours une cette habitude de faire des finitions et des chromes. Dans le moindre détail, et sur ce modèle, vous verrez, il y a beaucoup beaucoup de détails. Une autre petite particularité chez Harley, par exemple, les clignotants, vous voyez, à gauche j'ai un bouton pour clignotant de gauche, à droite j'ai un bouton pour clignotant de droite.
Donc nous sommes au pays des States. Voici donc un modèle chez Harley, un Softail. Ici nous avons le Softail convertible. Convertible parce que il y a deux façons de voir cette moto. Soit vous avez toute la bagagerie, le CC bar, voilà le dossier et la bulle devant. Donc vous pouvez enlever tous ces éléments là qui sont plus sur une vocation touring, et puis du coup la moto se retrouve dénudée et vous l'avez plus en mode cruiser, donc plus en custom cruiser. Donc c'est vrai que c'est une moto qui peut avoir deux facettes. C'est un modèle 2012, donc produit pendant 3 ans, 2010, 2011, 2012. En série limitée, on compte 2500 exemplaires. Il y avait 3 coloris chaque année, donc 9 coloris disponibles sur ces 3 années. Ça, c'est le dernier coloris de l'année 2012, un coloris bronze avec une sellerie cuir buffle en marron qui lui va vraiment bien. Un modèle polyvalent, équipement vraiment complet, puisqu'on va retrouver derrière tous ces chromes, derrière cette grosse mécanique, plein d'électronique. Je peux vous dire que pour 2012, avec déjà des poignées chauffantes, des régulateurs, tout un affichage LCD rétro-éclairé avec des super effets rouges, il y a vraiment un super jeu de petites finitions cachées, de la moindre vie jusqu'à, on va voir les petites notations Harley Davidson qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc c'est vraiment des matériaux de chrome, des matériaux nobles, c'est de la finition partout, c'est vraiment très très joli, hein, vous voyez, on voit très peu de plastique pour finir, et donc c'est une moto qui est vraiment un bijou. Chez Harley, ils donnent des modèles, des séries, par exemple, on a souvent le 107 qu'on peut trouver, ou... Nous sommes sur un modèle de moteur de la série des 110 cubiques, donc c'est un moteur qui est en V2, un bicylindre de 1800 cm3, qui a un couple de fous. Ce bicylindre, c'est un bicylindre en V, refroidissement à air, deux soupapes par cylindre, 96 chevaux. Nous avons un poids qui est relativement lourd, puisque nous sommes sur près de 345 kg à vide. Il faut rajouter le plein, les 19,7 litres de réservoir, donc on passe les 350 kg largement. À l'arrêt, c'est vrai que ça fait son poids. Quand même, pour la manœuvrer, il faut avoir l'habitude. Il y a une façon de la garer, une façon de repartir. Ensuite, une fois que la moto elle a pris ses premiers tours de roue, l'inertie fait qu'elle tient toute seule. Elle est très maniable. Ce poids qui est tout en bas, là, ras du sol, ne se sent pas du tout dans le guidon. Et la partie cycle est bien travaillée. Et puis, on a une bonne réactivité entre la partie cycle du guidon jusqu'à la roue arrière. On sent très bien ce qu'elle fait. On a une fourche, méga fourche télescopique. C'est énorme, là, avec des battements de 130 mm. Derrière, ces côtés rétro, anciennes, là, ces clignotants, bah, on voit qu'il y a du moderne de caché discrètement. Il y a du moderne parce que là, on va voir par exemple des LED. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a des LED. Mais alors, comme ça, quand on regarde très rapidement, on a l'impression que c'est une moto qui est des années, je sais pas, 70, 80 ou même peut-être avant, mais c'est bien caché. On retrouve bien sûr l'ABS, donc vous voyez, en 2012. Hein, tout ça, c'était pas des choses. L'ABS, pour rappel, est devenu obligatoire en 2016 sur les motos. Donc sa référence, son vrai nom, FLST SE3. Donc c'est la Softail convertible. C'est une Harley Davidson CVO. Je peux vous dire que là, ce cuir, ce buffle là, est très bien fini. C'est très agréable. Même pour le passager. Je peux vous dire que le passager doit être très très bien assis ici. Alors on retrouve, comme sur toutes les Harley, une transmission par courroie. Donc je vais essayer de vous montrer ça. La courroie qu'on voit ici, là, là, on en voit un petit bout, là, je ne sais pas si on voit bien. Donc là, on a, hop, la courroie, tu vois, du bout du doigt. On va peut-être mieux la voir ici, à l'arrière, vous voyez. La particularité, Charlie, c'est qu'on a ici une courroie. Donc c'est vrai que c'est souple, ça absorbe notamment les gros à-coups mécaniques qu'on a sur ce bloc. Regardez-moi ça, comment c'est monstrueux. Regardez ça, la taille là, de cette mécanique. Ce bas moteur là, c'est énorme. Puis alors là, les doubles cylindres. J'adore cette finition de chrome partout. Donc là, on retrouve la double pédalier là, avec, alors là, on a largement de quoi poser son pied. Et on a ici de quoi monter ou descendre ses vitesses. Et on peut le faire au talon aussi là. Et je reconnais que, en fait, on y prend goût de passer au talon. C'est très pratique. Et puis, comme les jambes sont allongées, pour finir, ce qu'on a en bout de pied, là, bah, d'avoir la puissance du talon, ça arrange bien.
les disques, donc vous voyez sur les disques, il y a même une finition ici. Vous voyez, un petit peu biseauté avec une petite virgule là, à l'intérieur. Donc c'est très joli aussi. Et quand je parlais de plein de détails, regardez bien la déco de près. On voit ici des petites têtes de mort. Mais en même temps, c'est discret, il faut avoir l'œil. Regardez ces magnifiques jantes. Alors là, les jantes, elles sont vraiment très très belles. Regardez ça, ça fait penser aux voitures des années 60. Et puis la finition à chaque fois, là, des couvercles. Regardez là, les couvercles, c'est super joli. Le débattement arrière, il est de 51 mm, donc il y a très peu de débattement. On le ressent, hein. On le ressent si la route est un petit peu détraquée, on sait tout de suite où sont les trous, ça je vous confirme. En pneu avant, on est sur du 130 par 70 et en pneu arrière, 200 par 50. C'est des roues de 18 pouces à l'avant comme à l'arrière. Frein arrière, donc c'est un disque unique pied à coulisse 4 pistons avec ABS. Le frein avant, c'est un disque pareil, unique, hein. Il n'y a pas de double disque, un disque unique à l'avant, pince à 4 pistons avec ABS aussi. Hein. On est à 292 mm à l'avant sur la taille du disque, 292 mm à l'arrière pour la taille du disque. Donc là, on ne le voit pas trop, il est caché aussi, mais vous avez un disque à l'arrière qui fait la même taille que ce disque à l'avant. Donc ce modèle CVO, en fait, c'est un modèle bien particulier. Il vient d'aucun modèle de la gamme. Il apporte une modularité étonnante pour l'adapter à ses amphis et à ses besoins, parce que c'est vrai que soit on part en mode touring avec toutes les bagageries, soit en mode plus cruiser, tout léger. Et puis là, on se rend dans un autre esprit à l'américaine. Cette dénomination de cette Harley Davidson, elle est vraiment issue du département CVO. Le département CVO qui veut dire donc Custom Vehicle Operation. C'est parce qu'en fin de compte, la firme américaine CVO, elle a laissé comme d'habitude carte blanche aux ingénieurs américains pour personnaliser, même dans ce cas, créer une machine à part. Et de 2010 à 2012, en effet, contrairement à la plupart des CVO, qui sont issus d'un modèle de la gamme à l'image de la Street Glide ou de la Fat Boy, elle ne partage pas du tout la gamme de son Softail. Ce qui rend que cette CVO, elle est encore plus exceptionnelle. Comme toutes les autres CVO, la motorisation elle passe du 96 CI ou 110 CI, et ce qui fait une cylindrée de quand même de 1800 cm³ au lieu de 1584. La peinture biton, là, elle est très très jolie et on sent pas, regardez comment c'est beau la peinture, il n'y a pas d'autocollant collé avec un vernis dessus, tout est à même hauteur, il y a un souci de finition. Alors ce bronze mat fait ressortir par contraste le brillant des chromes. C'est juste un vrai bijou. C'est vraiment magnifique, magnifique. On est quand même là, les gars, on est quand même devant un objet d'art. C'est une œuvre d'art. À l'usine, on prend les meilleures pièces du moment et hop, on assemble ça sur une moto pour mettre en valeur ce qu'on sait faire. Ça, c'est très fort, j'insiste bien, c'est pas un modèle de catalogue classique. C'est un modèle qui est quasi unique. C'est un modèle qui est transformé par CVO. Donc elles sont rares, ces motos. Ce qu'on pourrait dire, moi, ce que j'aime bien, c'est le style. C'est la facilité de conduite, parce que mine de rien, c'est perturbant. Les premiers mètres, je reconnais qu'il y a un temps d'adaptation. C'est une autre façon de conduire la moto. Donc moi, je trouve que les jantes sont magnifiques, elles sont réussies. Tous les détails, toutes les finitions qu'on peut trouver partout, c'est très, très, très joli. C'est vraiment le souci de la moindre pièce, moindre vis. Tout est bien pensé. C'est vraiment, quand on regarde, mais non seulement il y a du chrome partout, mais c'est du chrome sur des pièces qui sont bien usinées, de l'arrondi partout. Regardez les emboîtements, tout est bien réfléchi. Quand on met en route, regardez, là, ça s'allume. Alors, je vous ai pas dit, hein, démarrage sans clé. Démarrage sans clé, déjà. Un GPS Harley. Garmin, j'ai pas mis la sono, hein. Vous avez vu, il y a des enceintes aussi. C'est de leur favori, c'est une moto luxe. À l'achat, hein, de tête, c'était 30-31 000 euros à peu près, 2012. L'exclusivité, c'est une moto très bien finie. On est dans le haut de gamme du savoir-faire. Une vidéo un petit peu particulière que j'avais la chance
de pouvoir faire cet essai d'Harley. Cette Harley qui est vraiment une moto d'exception. Hein, on n'a pas l'occasion d'essayer ce style de moto tous les jours. Surtout que si on est sur une série limitée, c'est un concept à l'américaine. On vit à la couterie, une culture très très forte aux États-Unis. C'était le moment, voilà, de sortir un petit peu de moto qu'on connaît bien en Europe. Voilà, une exclusivité. Un immense honneur d'avoir pu essayer cette moto qui est très rare. Les passionnés d'Harley vont sûrement m'envier. J'espère que vous aurez l'occasion de la voir prochainement sur des balades, des concentrations. En tout cas, ça mérite le détour. Josephine, I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine, even after everything we've seen. In this sterile room with blinding lights, your face is pointing down. I only wanna scream, but still I just can't make a sound. Now hold my hand, hold my hand.